Le père de Lucien, il a 25 ans de plus que son fils. Dans 10 ans, l'âge du père sera deux fois celui du fils. Quel est l'âge de Lucien? Quel est l'âge de son père? Bon, déjà, il faut fixer une inconnue. Bon, on va décider de prendre la première inconnue, c'est donc l'âge de Lucien. Et on va essayer de traduire l'énoncé par une équation où on trouvera cette inconnue. Vous voulez essayer de traduire la phrase « Dans 10 ans », attention, c'est important, « Dans 10 ans, l'âge du père sera deux fois celui du fils ». Bon, sera deux. Donc déjà, vous savez qu'il y a un signe égal. Bon, dans 10 ans, quel sera l'âge de Lucien? Bah, ce sera x plus 10. Donc on aura, quand on dit l'âge du père sera deux fois celui du fils, ça sera deux fois x plus 10, parce que dans 10 ans, Lucien, il aura bien x plus 10 comme âge. Et le père de Lucien, lui, il a 25 ans de plus que son fils. Donc on sait que le père de Lucien, c'est x plus 25 au moment où on parle, mais dans 10 ans, il faut que je rajoute encore 10. Dans 10 ans, l'âge du père, ce sera bien x plus 25, l'âge de Lucien plus 25, plus les 10 années qui sont passées. Et à ce moment-là, l'âge du père sera égal à deux fois celui du fils. Et si on résout l'équation, ça me donne x plus 35 égale 2x plus 20. J'ai développé. Je rassemble les x à gauche. X moins 2x égale 20 moins 35. Attention, x moins 2x, ça me fait quoi? Moins x. Moins x égale moins 15. Donc x égale quoi? X égale 15. Donc Lucien a 15 ans et son père, il en a 25 de plus, c'est-à-dire 25 et 15, 40. Vérifions si notre solution est la bonne. Dans 10 ans, ben Lucien il aura 25 ans. Et son père, dans 10 ans, 50 ans. Et 50, c'est bien égal à 2 fois 25. L'âge du père, dans 10 ans, sera 2 fois celui du fils.